Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de Guillaume. Bonjour. Et aujourd'hui, on vous présente Otis, le prochain jeu coédité par Pearl Game et Libellude. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 minutes où vous allez explorer les fonds marins. Regardons le dos de la boîte. Attention, le dos de la boîte. Qui présente rapidement, comme d'habitude, une mise en place du matos et ce qu'on va retrouver dedans. Alors c'est en deux langues, en français et en... C'est quoi ça C'est du néerlandais, y'a. Et parce que c'est coédité par Pearl Game. Voilà, aucun rapport. Alors, ouvrons la boîte de ce jeu qui ne parle pas d'ascenseur. Oh, allons-y. Alors, première blague. Deuxième blague qu'on n'a pas faite. Oui. C'est un jeu de Claude Lucchini et... Qui n'est probablement pas le frère de Fabrice Lucchini. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, on continue les spielregles, mais qui ne nous intéressent pas parce que nous, on va faire les règles du jeu. Voilà. Voilà, montrons rapidement ce qu'il y a dedans. Alors, il y a une grosse présentation du matériel, parce que vous allez voir que c'est un peu particulier. Voilà, ça montre un peu le matériel. 2 pages. Ensuite, vous avez une page de règles, enfin une double page de règles. Ouais. Avec pas mal de textes, mais avec des gros exemples, oui, surtout. Oui, pas mal d'exemples, oui. Et après, c'est tout, quasiment. Ah, d'accord. Ça explique chaque pouvoir, chaque élément de jeu. C'est assez concis. C'est un petit peu compliqué au début quand vous lisez la règle, mais une fois que vous avez pigé, c'est plutôt simple à maîtriser. Voilà, donc là, c'est vraiment des détails de tous les pouvoirs, quoi. Ok. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve Plein de punchboard. Plein de belles choses. D'abord, donc là, sur cette punchboard, donc, les éléments d'en haut, ce sont les éléments bonus, les récoltes que vous allez pouvoir choper. Ok. Ici, tu peux dépuncher, genre, la ligne bleue, parce que j'aime bien les bleus. D'accord. Voilà, c'est parce que ça, on va en avoir besoin, tu vas voir, c'est assez rigolo, on va pousser des choses. Donc ça, c'est première punchboard. Ensuite, vous avez la deuxième punchboard. Avec différentes ressources. Ah ouais, alors ça. Ça, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On imagine. Enfin, si, que... c'est Claude Lucchini, mais. Voilà, c'est l'auteur du jeu. J'imagine que c'est pour des dédicaces, sans doute. Voilà, si vous le croisez sur un festival. Ici, vous avez les ressources qui sont les batteries et les crédits. Ah oui. Voilà, tu peux dépuncher les trucs bleus. T'as mis vraiment bien le bleu. Ah ouais. Ouais. Là, on est sur une thématique bleue, c'est l'océan, c'est 20 milieux sous les mers, c'est plein de films avec de l'eau un peu sympa. Voilà, donc ils sont recto verso, parce que ça va être des pouvoirs que vous allez déclencher, vous avez un mode standard et un mode expert. Expert. Voilà. Ici, nous avons les personnages que vous allez pouvoir activer. Alors, là tu peux dépuncher toute une rangée, voilà, pour avoir un set de base. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit, on peut jouer jusqu'à 4, donc chacun aura son set. Et tu peux dépuncher un bonhomme comme ça, et un bonhomme comme ça, un hacker, et son compagnon, voilà. Là, tu as le matos nécessaire pour une personne. Ok. Histoire 2. Ici, vous avez... Donc maintenant, on retrouve le plateau central. Donc c'est ici que vous allez pouvoir marchander les ressources que vous allez récupérer. C'est également ici que tu vas placer aléatoirement les jetons bleus, les gros carrés bleus, okay, que je t'ai donnés au préalable. Et tu les mets aléatoirement ici, à côté. Ah oui, et regarde, une petite encoche. Connectique. Tu les mets dans le sens que tu veux. Là, t'es côté facile pour celui-là. Voilà. Ouais. Tu l'as pas bien mis, il faut... Regarde, il y a des petits trucs colorés. Ah, d'accord. Oui, tout souci du design. Mais oui. Il y a des gens qui se cassent la tête pour trouver des choses super jolies. Et toi, tu ne les respectes pas. Voilà, très bien. Donc là, tu vois, quand il y a le petit symbole comme ça, c'est un symbole expert. Ok. Ça permettra juste une mise en place quand on activera les différents personnages. Ici, on place les ressources, donc c'était les trucs jaunes, ouais, qu'on peut gagner. D'accord. Regardons le reste. Alors, donc là, plateau. Alors non, on a 4 plateaux. Là, chaque joueur a des plateaux, c'est ça. Là, vous avez les 4 plateaux individuels. Donc, on va prendre le premier, qui est le joueur bleu. Reconnais ça par le requin en haut à gauche. Voûte, magnifique. Donc, en fait, là. Un peu. Hop. Ouais, vas-y, tu peux descendre. Donc ça, ce sera les plateaux que vous aurez devant vous. Tu vas pouvoir mettre, donc ici vous avez toute la jauge des plongeurs, donc là tu peux mettre tous tes plongeurs... C'est ceux-là, les petits plongeurs. Voilà, c'est ça. Voilà, calé sur le côté gauche. Donc ce qu'il faut savoir... côté gauche, ouais, voilà. Oui, c'est ça, hein, côté gauche. Ah oui, mon côté gauche, pardon. Ah, d'accord. Donc voilà, tu mets les différents plongeurs avec, okay, avec les pouvoirs, voilà. Donc on remarque peut-être, mais il y a, une double épaisseur de punch en fait. Oui. C'est pour ça que ça si se cale bien. Ça se cale bien, ouais. Tu peux tous les mettre, ah, et oui, en fait, normalement,
Voilà. Et ensuite, vous avez toutes les petites encoches qu'on a prises avant, les 1, 2, 3, 4, 5, à mettre sur les choses 1, 2, 3, 4, 5. Ah, d'accord. Voilà. Et voilà. Et en fait, à votre tour, vous allez pouvoir activer vos plongeurs. Et pour cela, magie de la punchboard, par exemple pour le 1, oui. Eh bien, il faut le glisser comme si vous faisiez un bouton. Pouf, tu le poses ici. Ah, d'accord. Tu fais l'action du personnage. Et ensuite, tu repousses une nouvelle fois pour le symboliser. Vas-y, encore. Comme ça ? Non, comme ça. Ouais, voilà, tac, pour dire que tu te décales et que tu l'emmènes dans l'eau. D'accord. Voilà, c'est vraiment, t'as vraiment un principe de coulissement. Ouais. Une fois que t'as résolu l'action ou pas, parce que t'es pas obligé, tu peux, par exemple, donc là, lui, c'est assez, là, tu l'as mis du côté expert, parce qu'ils évoluent. Ouais. Là, en l'occurrence, lui, il va récupérer un petit cube. Ok, petit cube. Petit cube qui sont... Cachés ici. Cachés avec ici. Plein de sachets zip pour les ranger. Zut. Et là, on va avoir les cubes pour les joueurs. Voilà, ça, ça va être les marqueurs de score. Et les cubes qu'il va récupérer... Donc ça, oui, ça c'est le sac pour mettre toutes les différentes ressources que tu peux piocher, okay. Qui sont aléatoires et que tu passes sur le plateau central, juste ici. Donc, les ressources qu'il va trouver, il va les mettre en face de lui. Ok. C'est pour ça qu'il y a des petites cases prévues à cet effet. Juste là. Exactement. Avec les petits cubes. Une fois que le plongeur a fait sa petite mission, on le retire et on le place tout en haut de la pile. Donc, d'accord. Voilà. Celui-là donc en fait, terminé, pouf, c'est ça. Ça revient là. Voilà. On redescend tout ça. On redescend tout ça et lui, il remonte et c'est comme ça que là, à ce moment-là, tu le retournes parce qu'au début, il a un pouvoir simple qui est juste prendre une ressource et ensuite une fois que tu expert. Voilà, c'est ça. Et il récupère également une pile. Et la pile, à quoi ça sert? Eh bien, c'est simple. La pile, ça sert à échanger la place de deux plongeurs okay. Si vous voulez activer ou mettre en face des bonnes ressources, etc. Voilà, globalement, comment ça marche, les phases d'activation avec vos plongeurs. Il y a également des cartes que tu viens d'ouvrir. C'est ça. Donc en fait, ça, ce sont des contrats que vous allez pouvoir résoudre grâce aux ressources que vous allez accumuler. Donc voilà, il y a différents cubes de ressources à accumuler. Dès que vous les avez, vous pouvez réaliser un contrat. Donc il y aura trois contrats qui seront exposés en haut du plateau central. Et quand vous résolvez un contrat, bien évidemment, ça fait gagner des sous et des points de victoire. Et la partie s'arrête dès que quelqu'un a accumulé 13 points de victoire, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, excusez-moi d'avance. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a tout montré. Globalement, Otis, c'est assez simple à mettre en place. C'est vraiment des pouvoirs d'activation. Après, il faut connaître les pouvoirs des différents personnages, bien sûr. Il y en a qui vont permettre de récupérer des ressources. Il y en a qui vont permettre de vendre des ressources ou d'en racheter. Il y a aussi des personnages qui vont récolter... différents pouvoirs, donc voilà, c'est assez simple mécaniquement, il faut connaître les pouvoirs, mais globalement, c'est facile à jouer. Voilà, on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit pour Otis. Sur ce, on vous fait d'énormes gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao. Ciao.